Namasté. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette qui est aussi dans le thème des saisons. Donc c'est un hamburger végétarien. C'est quelque chose que je fais pour un de mes enfants qui est végétarien. Pendant que les autres mangent des hamburgers avec de la viande, du poulet, etc. Ben, pour pas léser, moi je lui fais cet hamburger qui est vraiment, vraiment très, très bon. Et du coup, tout le monde veut le même elle, hein, celle qui est végétarienne, parce que c'est vraiment un délice. Et c'est aussi très riche en tous les aliments, parce que dedans, il y a des crudités, il y a des protéines, et il y a le pain, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on va passer à la recette tout de suite de ce hamburger, ou on va plutôt appeler ça un bean burger. À tout de suite pour les ingrédients. Alors voilà. Donc pour cette recette, en premier, j'ai pris des lentilles, donc depuis, hein, les lentilles ordinaires, vertes. J'ai pris des haricots rouges et j'ai pris du quinoa. Donc j'ai pris une petite tasse de chaque. Je l'ai trempé toute la nuit dans de l'eau, en le rinçant bien, etc. Et ensuite, le lendemain, je l'ai cuit pour qu'on puisse préparer cette recette. Maintenant, c'est refroidi. Donc, vous avez les trois choses ici qui sont cuits et froids. Alors, je les cuis, mais ils sont quand même fermes. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement en purée. Voilà. Si vous ne vous sentez pas de faire cette étape parce que c'est trop long, vous pouvez prendre des lentilles et des haricots rouges en boîte. À ce moment-là, vous les rincez plusieurs fois et vous enlevez tout l'eau, c'est-à-dire vous les laissez égoutter pour qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Ensuite, vous cuisez une tasse de quinoa et que vous l'ajoutez dedans. Donc ça, c'est en premier. En deuxième, j'ai pris de la patate douce. Donc là, je vous ai dit que c'est une recette très saine, très bonne, avec des bonnes choses dedans. Et la patate douce, c'est une très, très bonne source de sucre lent. Donc j'ai pris une patate douce que j'ai cuit aussi à la vapeur et que j'ai laissé refroidir. J'ai pris un oignon doux. J'ai pris trois petits piments verts parce que moi je veux que ça soit relevé. Si vous voulez pas ça, vous prenez pas. J'ai pris une botte de coriandre frais, un citron entier parce qu'il nous en faut un moitié pour ça et un moitié pour l'accompagnement. J'ai pris donc c'est ce bol là que j'ai utilisé pour toutes les autres quantités. J'ai pris un bol de flocons d'avoine. Donc je n'utilise pas de chapelure, je utilise le flocon d'avoine parce que ça va me tenir au ventre. J'ai pris un petit bol de noix, du sel, du poivre, de l'huile pour la cuisson. Ça c'est la première chose. Ensuite, pour accompagner ça, je vais faire un coleslaw. Donc, c'est une petite salade que je vais faire et que je vais mettre dans mon pain à burger. Pour ça, je ne prends pas de choux, je prends le quart d'un iceberg, d'une salade iceberg. Je prends un petit morceau du verre de la cébette. Je prends une carotte. Voilà, je prends un peu de miel. Je prends un yaourt grec, je n'utilise pas de crème pour mon coleslaw ou de la mayonnaise, je vais le faire au yaourt, mais un yaourt grec parce que je veux que ça soit épais comme la consistance de la crème. C'est là où je vais utiliser l'autre moitié du citron, c'est pour ça que je vous ai dit un citron. Et à la fin, un pain hamburger, donc moi je prends le pain complet avec les graines. Voilà, ça c'est pour les ingrédients, maintenant on va passer à la recette. Donc là, j'ai préparé un récipient pour faire ma recette. Ici, dans mon mini hachoir, j'ai mis l'oignon. J'ai mis coriandre, piment vert et j'ai mis la moitié des noix. J'ai gardé l'autre moitié, donc j'avais une dizaine de noix. J'en ai gardé 5 pour ma salade tout à l'heure et j'ai mis les autres 5 dans mon petit hachoir et j'ai haché donc le tout. Ici, je vais mettre mes patates douces au fond de ma gamelle. Je vais les écraser comme il faut parce que je ne veux pas de morceaux dans mes... Je vais approcher pour que vous voyez. Donc, je ne veux pas de morceaux
dans mes hamburgers. Donc, je ne vais pas hésiter à complètement écraser. Alors, c'est pour ça que c'est refroidi. C'est pour qu'on puisse le travailler correctement. Voilà. Là, je vais verser le mélange quinoa, lentilles et haricots rouges. De nouveau, je vais écraser tout ça. S'il me reste quelques haricots rouges un petit peu en entier, c'est pas grave parce que ça va être agréable quand on va manger notre hamburger. C'est pas du tout un souci. Donc, moi, j'aime bien avoir plusieurs textures. Donc, je vais laisser ces petites graines et pas les écraser vraiment. Donc, voilà, je fais ça. Ensuite, à ça, je vais mélanger mes oignons. Mes oignons, mon piment, mon coriandre et mes noix. Voilà. Donc là aussi, j'ai vraiment quelque chose de riche en plusieurs aliments, puisque les noix, c'est bon. Il y a plein de bonnes choses dans cette recette. À ça, je vais mélanger mes flocons, parce que c'est ça qui va absorber toute l'humidité des patates, de la patate douce et puis des lentilles. Donc, je vais faire ça dans un premier temps avec la moitié. Hein, parce que ça dépendra aussi de comment mes légumes sont bien égouttés. Donc, si je vois que le mélange est bien ferme, j'en mets que la moitié. Sinon, j'en rajoute au fur et à mesure. Mais attendez, parce que là, on va mettre le citron pour donner le goût acidulé. Et le sel et le... Voilà, donc là, je vais mettre mon citron. Donc, vous connaissez, pour ceux qui me suivent, ma méthode, hein, pour vraiment extraire tout le jus. Je mets ma main pour récupérer les graines. Et j'extrais tout le jus du citron. Je vais poivrer. Donc, je vous marquerai les ingrédients et les proportions, comme d'habitude, en dessous de la recette. Et je vais saler. Alors, n'oubliez pas de bien saler parce que... Il n'y a aucun sel dans cette recette avant et il y a quand même les pommes de terre, tout ça, qui nous traînent pas mal de sucre. Là, bon, je vais encore remettre mes mains. Donc, c'est à ce moment-là que si je trouve que c'est trop mouillé, je vais rajouter un peu de flocon d'avoine. Voilà, je pense que c'est un petit peu trop mouillé, donc voilà. Comme il faut, hein. Une fois que ça c'est fait, vous rassemblez tout ça. N'hésitez pas à goûter, hein, pour le sel, etc. Et vous laissez un petit peu les flocons gonfler. Pendant ce temps-là, on va se consacrer à notre petite salade. Voilà, donc là, on va passer au coleslaw. Pour le coleslaw, je vais d'abord prendre mon yaourt grec que je vais verser dans ma gamelle ici. Donc, je vais la prendre en entier parce que ça va faire la base de la sauce pour cette salade. Alors, normalement, dans le coleslaw, il y a du chou, mais tout le monde ne digère pas le chou. Donc, moi, je ne le fais pas avec le chou. Je le fais avec la salade iceberg qui a une consistance un peu plus ferme que les autres salades et du coup qui ne cuit pas spécialement dans tout ce qu'on va mettre. Donc là dedans, dans ça, bon là le citron il est un peu gros je trouve moi, donc je vais le faire que la moitié. Je vais mettre mon jus de citron dans mon yaourt grec. Comme ça. Par-dessus, je vais mettre le miel. Donc j'ai mis le citron, je vais mettre une bonne cuillère à soupe de miel, je vais remettre un peu de poivre, je vais mettre un peu de sel et je vais battre tout ça pour faire une mayonnaise sans œufs végétarienne pour mon coleslaw. Voilà, regardez.
Je vais le battre jusqu'à ce qu'il devienne vraiment onctueux. Je vais le goûter. C'est impeccable. Et là, je vais prendre la salade iceberg. Donc, je vous ai dit que j'en ai pris un quart. Hein, donc, j'enlève le pédoncule. J'enlève tout ce qui n'est pas beau. Et le coleslaw, je le coupe en fines lamelles. Vraiment en fines lamelles. Donc, pour ceux qui aiment le chou, vous pouvez mettre le chou blanc à ce moment-là de la recette, mais vous mettez vraiment des lamelles très très fines pour que on puisse les manger facilement dans la salade parce que ça ne sera pas cuit. Voilà, vous voyez, moi je prends mon temps. Ici, je mets dans ma sauce. Ensuite, je prends une râpe et je râpe les carottes. Et dans les ingrédients, comme d'habitude, j'ai oublié, je mets aussi de la pomme. Je la prends un peu verte et je fais pareil. Je la râpe pour l'ajouter dans ma salade. Voilà, ici, j'ai râpé la carotte et la pomme verte. Et maintenant, je vais prendre mon oignon cébette que je vais couper au milieu là et que je vais aussi mettre. Donc, j'ai pas mis l'oignon, hein, la bulbe, je l'ai pas mis. Je mets que les tiges parce que je veux pas qu'il y ait un goût fort dans ma salade. Je veux que ça reste quelque chose pour accompagner, mais que le goût principal soit les hamburgers. Alors, je vais vous avouer que là, j'ai fait une salade et les galettes. Donc, les galettes de lentilles pour 6 hamburgers. Mais je vais en faire qu'un parce que nous, on ne mange pas beaucoup de pain. Donc, on va manger juste les galettes qui vont être accompagnées de cette salade. Et il n'y a qu'une personne qui va manger en forme de burger. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer aussi comment on fait le burger. Mais vous pouvez aussi manger les galettes avec juste accompagné de cette coleslaw qui sera vraiment très, très, très agréable. Donc là, j'oublie pas mes noix pour donner le crunchy à la recette. Donc, je prends mon couteau et j'écrase grossièrement les noix, hein, voilà, pour pas avoir de gros morceaux, et je le mets aussi dans ma salade que je remue pour être sûr que la sauce s'est mélangée dans tous les ingrédients. Regardez, ça ressemble vraiment au coleslaw. Donc là, aujourd'hui, vous avez deux recettes, les galettes, donc qu'on appelle les tiki, et votre coleslaw. Maintenant, on va passer à la cuisson de nos petits hamburgers. Alors, pas hamburger, bean burger, on va dire, parce que hamburger, c'est à la viande. À tout de suite. Voilà, donc ici, j'ai mis à chauffer une poêle un petit peu anti-adhésive, parce que je ne veux pas que mes bean burgers collent, et je veux surtout pas utiliser beaucoup d'huile. Je l'ai juste huilé un petit peu. Et là, j'ai déjà avancé. J'ai fait 5 hamburgers. Je vous montre juste comment on fait ça. Donc, je prends beaucoup, hein, parce que je veux que ça soit copieux. Je prends vraiment beaucoup de farce. Donc, avec ce qu'on a fait, on a bien 6 hamburgers. On prend ça. On graisse un petit peu les mains pour pas que ça colle. Alors, avec les paumes de la main, on tourne un petit peu pour faire quelque chose d'assez haut. Et voilà. Hein? Et ça, hop. Et vous voyez là, j'ai fait les autres. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je ne suis pas pressée. Je laisse griller d'un côté mes petites bean burgers.
Et une fois qu'ils ont une belle couleur dorée, je retourne mes bean burgers et je les dore de l'autre côté. Il faut bien 2 minutes de chaque côté pour avoir des bean burgers bien, bien croustillants et bien cuits. Donc là, dans cette étape, vous ne bougez pas vos hamburgers. Là, une fois que votre poêle est bien chaude, vous pouvez baisser légèrement pour pas brûler vos hamburgers. Et vous laissez griller ça tranquillement, 2 minutes d'un côté, vous retournez 2 minutes de l'autre. Je vous retrouve une fois que ces bean burgers soient bien bien grillés. À tout de suite. Je retrouve mes bean burgers. Ils ont grillé de chaque côté, donc je vais vous montrer ici. Je les ai pas bougés, j'ai laissé griller comme je vous ai dit 2 minutes de chaque côté. Et à la fin, j'ai mis le pain à hamburger ici au milieu. Et dès qu'il est un petit peu coloré comme ça, je mets l'autre morceau. Et après, je vous retrouve pour le montage de mon bean burger. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve après avoir dressé mon assiette avec mon hamburger garni de mon coleslaw, le bean burger par-dessus et ma sauce sucrée-salée pour accompagner mon bean burger. Vous pouvez aussi manger ça juste avec la galette et la salade et la sauce si vous n'avez pas envie de pain. Voilà, selon ce que vous avez envie, mais je peux vous dire que c'est vraiment un délice. Vous pouvez apporter ça comme repas à votre travail. Vous pouvez emmener ça en pique-nique et je peux vous dire que vous pouvez faire ça à l'avance, les griller au dernier moment et votre repas est prêt. Voilà, essayez ce burger et ce coleslaw, donc bean burger et coleslaw, et je vous dis que vous allez vous régaler et vous allez le recommencer et vos enfants vont manger toutes les bonnes choses qu'il y a dans ce bean burger. Voilà, alors n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié mon travail, de partager avec eux ce que vous aimez et de vous abonner à ma chaîne, les recettes indiennes de Shona. Si c'est fait, je vous dis merci. Namasté, à bientôt.